Toutes les corvées. Ça durait depuis trop longtemps. Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ces droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue Breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est approprié injustement depuis trop longtemps.